Attends, finalement, comprenez-vous, vous voulez quoi? J'enterre Changu, je l'envoie à l'hôpital, je le blesse, je le laisse tranquille, je fais comment? Non, que tu le retrouves d'abord. Tu sais quoi? Je vois que tu as un petit stress là. Apparemment, la seule chose à faire pour que tu sois bien dans les bras, pour que tu sois bien dans ta tête quand on va faire l'amour. Si je ramène cette crise avec ton argent, apparemment, tu vas te livrer à moi, corps et pieds liés, l'âme et... Oui, arrête d'abord. Habituellement, quand moi je fais un travail, non, je suis payé. Mais ici, le salaire, c'était mettre à l'aise, à me fortifier à Jean. Tu comprends? Donc... Deux mois. Tu m'as déjà mis l'autre dans le ventre. Tu veux qu'on fasse encore un troisième comment, hein? Non, je parle, tu parles. Tu me perds le temps. Avance, va. Ben, c'est quoi? Tu as rêvé? Je vais t'expliquer après. Moi, je te dis, c'est le gangster que Letty s'est envoyé pour chercher Christian. Chercher Christian? Mon fils? Oui, donc. Tu as envoyé un gangster chercher mon fils? Pardon. Mais ce n'est pas le problème ici. Je suis en train de dire qu'il va nous retrouver. C'est ça qui est le plus important. Il ne connaît même pas où nous sommes. Il va nous retrouver comment? Il va nous retrouver. Il était dans mon rêve, hein? Il était dans mon rêve, c'était la réalité. Il était dans mon rêve. Le rêve était plus que réel. J'étais positionnée ici là d'abord. J'avais l'enfant là dans mes mains. Et j'avais encore un autre enfant dans mon ventre. Il était couché ici. Il s'est levé, il a dit bébé, allons dans la chambre faire un troisième enfant. Ah hey. Maintenant quand j'ai commencé à m'indigner que un troisième enfant comment, il a commencé à me gronder. C'est là que j'ai sursauté, non? Est-ce que c'était fini? Il y avait encore un autre rêve. Quel? J'étais couché là-bas. Je rêve, en fait, quand j'étais couché là-bas, j'étais en train de rêver de ça. J'ai maintenant crié. Quand je crie maintenant, je me lève. Quelqu'un me parle. Bébé, c'est quoi? Tu as rêvé? Il me tourne et voit que c'est lui qui est assis là-bas. Toujours dans le rêve là. Dans le rêve? Ah. Vous pensez que c'est simple? C'est parce qu'il va nous retrouver que je rêve les choses comme ça. Moi, je n'ai jamais fait déjà des rêves là. Ce n'est que le rêve. Il ne va pas nous retrouver. Il va nous retrouver. Calme-toi là-bas. Mon enfant est en danger. Si j'ai déménagé là-bas, c'était d'abord à cause de lui, oh, parce que je ne voulais plus avoir affaire à lui. Voilà maintenant qu'il va me retrouver mon enfant et moi, je vais faire comment? Avec tout l'argent que j'ai investi ici là, je ne peux même pas dire que je vais quitter. Je n'ai pas compris là. C'était pas ton argent, mais ne m'énerve pas où tu es là, ce n'était pas ton argent. Attends, le but d'aller, de l'envoyer, d'aller chercher Tchamou, c'était alors quoi? Pourquoi la mère c'est comme ça, non? Pourquoi tu es comme ça, maman? J'ai dit que je vais t'expliquer. Maman, on t'a dit que Tchamou a disparu parce qu'il a volé notre argent, non? Quel autre argent? C'était ton argent. Oui, c'est vrai, vous m'avez dit que Tchangou a volé l'argent. Et c'est pour cela que vous envoyez un gangster d'aller le chercher. Les choses de la terre.
les choses de la terre, quoi. C'était mon argent que j'ai cotisé pendant un an pour faire la layette de ton enfant, que de ton petit enfant que tu as dans les mains là. Et l'argent est plus important que ton frère, maman, jusqu'à ce que tu envoies un gangster derrière lui. Mais tiens, quoi déranger, ma tiens, quoi trop déranger, mais. C'est pas votre frère. Pardon, c'est que vous discutez là-bas ne m'intéresse pas. Je vous dis que mon enfant, moi, on est en danger. Au lieu de m'aider à trouver une solution, je ne sais pas où il faut que je rentre. Mais c'est toujours comme ça, c'est le rêve, mais tu ne trouves pas que c'est le rêve. Tout à l'heure, on est au village, non? Là, il va pas. Il y a rêve et rêve, hein? Il y a rêve et rêve, oh. Le genre de rêve, c'est là. C'est la réalité. Allons au village. C'est Dieu qui est en train de m'avertir que le gars là va me retrouver. Allons au village. Ah, maman, c'est simplement le rêve, mais tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça, quoi? Pardon! Pardon! Pardon, ma petite. Petite, ne pleure plus trop. Ne me sens-tu plus jouer. Ferme le portail là. Ferme. Ma femme n'aime pas les bruits. Tu me suis. Donc tu fermes ça. Tu me dis que tu t'as plus long. Donc tu avances naturellement. Comme si tout va bien. Tu me suis. Si tu peux. Attends. Betty, ce que voilà, c'est quoi? C'est même pas. Lis un peu. Ah, alloué. Betty, frère, c'est toi aimé qui s'agit. Comment faire, maman? C'est même pas. Tu viens écrire n'importe quoi. Betty, j'espère que c'est la blague. Je ne veux pas que tu dois faire des choses qui m'énervent. Mais tu sais, tu as fait quoi pour que j'arrive là? C'est la même raison, moi. J'ai confondu. Mais c'est dépassé quand vous êtes plus fort comme toi. Tu vois, ma femme est là. Que fait? Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Pourquoi tu as proposé la main? Quand tu m'as vu là, depuis que tu es là, tu as la santé. J'ai la santé. Tu t'es abaissé. Tu as vu là, j'étais plus. Tu as vu là, j'étais plus. J'ai vu. Betty, dis-moi, Laetitia. Comme si ça me fait bien, je ne connais même pas l'enfant, mais je fais comme ça pour toi. Il n'y a plus rien. Tu te tapes, je te dis. Ce n'est pas la source de lui. Ma soeur va souffrir à te lever, Ignacio. Tu me l'as envoyé.
J'aime alors. Mais frère, pourquoi tu t'énerves? Hein? Donc au lieu de plaider ton cas, tu plains là le cas de Kadoki. Tu as gâté? Non. Quand tu as volé ces 200 000, tu connais exactement comment elle a souffert. Non, frère, c'est vrai que je ne sais pas comment elle a souffert, mais quand je pense que tu vas utiliser le préservatif, je vais grave. Elle va souffrir plus que ça. Oh. Ah. Ferme ça, mon petit. Là où tu vois là, je me suis déjà tellement plus épargné. Tu ne connais pas ce que j'ai pris comme écorce pour faire le fortifiage de notre enfant. Tu me suis là. Donc j'arrive. Et maintenant, je ne sais pas comment tu t'es battu pour que Laetitia ne soit plus là. Ce n'est pas moi, petit. Enfant, on doit tout apprendre. On va déshabiller les enfants, mais. Mais bonjour, avec le coup de, je ne veux pas oublier. Tu vas même lui casser le bras. Voilà, elle est encore fragile. Tu vas tout apprendre. Tu vois que tu as encore un enfant. Tu as l'âge d'accoucher. Hein, tu as eu le bac. Hein? Et d'aller en mariage. Où c'est parce que tu es la Benjamin. Il y a les filles qu'à ton âge, elles avaient déjà trois enfants. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu es ici à faire le bébé dans ma maison. Pourtant, il y a déjà un bébé. Tes histoires de bébé là, il faut m'arrêter. Ça va le bébé. Ça sent bon, Eichi. Maman, elle est blessée. Ah, maman, il faut lui dire que l'enfant dans la maison, c'est mon enfant. Ah, c'est pas un enfant, quitte là-bas, c'est pas toi l'enfant. Bon. Le nom de ça, c'est quoi? L'eau de colonne. Non, donc tu connais au moins ce l'autre-là. Tu as fait quoi? Tu connais au moins ce ça. Maman, merci. Laisse-la, hé. Mais c'est pas l'enfant, c'est pour moi. Mais tu fais l'enfant. De la veine. Mariage, non. Tous les jeudis soir, 22, son mari va la bastonner. Tant bon. Chacun dresse son lit comme il dort. C'est qui ici? Kinder. T'es toi qui? C'est toi qui assises dans ma maison, sur mon canapé comme ça. J'ai accouché. Tu n'es pas venu à l'hôpital me voir. Tu n'es pas venu voir ta nièce. Je rentre même. Tu viens sonner à ma porte avec le visage attaché.
fâchée comme là. Comme je ne sais même pas quoi. Tu viens, tu te déposes sur mon canapé. Bonjour. J'ai dit, la sorcellerie te dérange. Pourquoi tu es comme ça? Laetitia, tu allais venir à l'hôpital faire quoi quand ta mère est là? Ok. Donc, comment elle là, tu ne viens pas à l'hôpital, c'est ça non? C'est ça, Tata Kine, c'est comme ça qu'on vit. Pardon, viens, tu t'assois bien. Tu m'expliques la fin, c'est parce que je ne comprends pas. Elle raconte même quoi? Attends, qu'elle s'assoit. Tu dis que tu n'es pas venu à l'hôpital voir mon enfant parce que ta grande sœur était là. Oui. Et maintenant, tu es venu chez moi, pourquoi alors? Je peux lui regarder ce que vous avez dit, si tu as pas avec. Ah bon? Donc, tu n'es même pas venu voir mon enfant? Ben, tu regardes si on va bien. Tu n'es pas venu regarder ta nièce? Je veux venir regarder ma nièce quand elle ne serait plus chez toi. Eh ouais. Pourquoi? Heureusement que tu as conjugué ton verbe au conditionnel. Comment moi la servir de l'enfant là-bas. Ah si ça ici, tu pars où? Attends un peu. Vous foutez cela, donc votre affaire là, ça continue. Quelle affaire? Tu crois que je peux oublier ce qu'elle m'avait fait? Okay. Tu sais ce qu'elle m'a fait, c'est ma grande sœur dans la salle. Elle t'a fait quoi? C'est qu'elle m'a fait au village. Je ne veux jamais oublier ça. Moi, je fais quoi, Tata Kim? Entre elle et moi, qui a fait à l'autre? Elle vous parle jusqu'à ce que tu me demandes ce que je veux faire. Entre elle et moi, qui a fait à l'autre? Mais tu sais, explique-moi, c'est quoi ça? Ouais, je n'étais pas acteur le jour-là. Il faut demander aux principaux concernés. Demande quoi, c'est principal. Vous m'envoyez même le matin. Demande quoi comme ça? Maman, c'est quoi le... C'est quoi... Comment on a écrit de suspense comme ça? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Comme elle-même, elle ne peut pas vous raconter ce qui s'est passé. Vous imaginez qu'on a deuil au village, je lui donne la clé du magasin. Avec toutes les nourritures qu'on a mis là-bas pour recevoir les invités. On finit l'enterrement. Les gens viennent pour manger, il n'y avait plus de nourriture. Kim a tout mangé. Tata Kim, tu vois que c'est toi donc qui avais tort. J'avais tort comment? Elle a commencé à m'insulter devant tout le village. Dans tout le village, elle m'a insulté. Maintenant, le village, personne ne me respecte plus. Et tout le monde m'appelle la bouffeuse, la bouffeuse. Tu voulais quoi d'abord? Tu veux comment? Hein? Demandez-le. Attends, il me la nourriture. Quand on doit recevoir, il y a que tu prends de la nourriture. Pas une petite nourriture. La nourriture, mon frère. Pas une petite nourriture. C'est la sorcellerie. Comment on peut faire qu'il y a deuil? On est en train d'enterrer quelqu'un là-bas. Elle refuse que non, je veux garder le magasin. Elle était à la fin. On revient après que wow, la collation, qu'elle a tout mangé, c'est normal. C'est pas la sorcellerie, c'est pas le barbecue. C'est pour ça qu'elle me reçoit devant tout le monde au village. Tu as d'abord mangé la nourriture des gens, pourquoi? Tu peux manger la nourriture du deuil, toute la nourriture du deuil. Si elle ne mangeait pas, elle s'est gâtée. Elle voulait elle se gâter. Qu'est-ce que tu as gâté? Tu as gardé. Hey, on t'a maudit au village de la nourriture. Mais parle pas comme ça, Rosanne. Elle te parle pas comme ça, comment? Qu'est-ce que tu as fait? C'est bien ce que tu as fait. Maman, elle ne voulait même pas venir ici. Il faut se passer de moi. Oui. C'est quoi ça? Elle exagère. Elle, pour elle, non. C'est toujours tout le monde qui a tort. Jamais elle. Rien comment tu prends le poids chaque jour. On ne sait comment maigrir. Tu ne sais pas comment maigrir. Tu manges, tu manges, tu manges. Chaque jour, tu manges. Tu fais ça, non, tu manges. Ah, là-bas, tu manges. Ça va, elle a compris. Tu ne vas pas de trop. Tu manges au village. Tu manges partout où tu passes. C'est ça qu'il faut maigrir. Oxane. Et tes juifs. Ça va, non? Tu veux bien la gifler ici, là? Moi, si ça tu veux bien la gifler ici? Ma, ça va, ça va. Tu vois tout ce qu'elle a fait là, tu veux bien la gifler? Ma, ça va. Tais-toi. C'est bien. C'est ma maison, non? Laissez-moi parler. Maison. C'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. C'est pas ma maison. C'est mes oreilles. C'est mes oreilles. Tiens, fille, non? Je ne veux pas parler devant les enfants. Je ne te parle pas pourquoi. C'est toi qui as voulu, non? Ouais, pardon. C'est toi qui as voulu. Calmons-nous, c'est le matin. On ne peut pas se disputer devant un enfant qui n'a même pas encore une semaine comme ça. Ce n'est pas normal. J'étais en train de dire que, Tata Kim, si ça ne dépendait que de moi, on recommençait tout à zéro. Genre, tu sors, non? Après, tu sonnes encore. Tu entres. Tu entres en rampant, c'est-à-dire à genoux comme ça là. Tu viens avec tes genoux au sol comme ma grande soeur, pardon, pardonne-moi. Elle va finir avec pourquoi? Ouais, tais-toi, je suis en train de faire la paix. Pourquoi tu es comme ça? Je suis pas venir jusqu'à la fin, pleure. Tata Kim, pas alors. Tu sors, tu sonnes. Roxane vient ouvrir. On fait comme si rien ne s'était passé. Tu viens en rampant là, sur tes genoux. Tu demandes pardon à ta grande soeur, tu vois. Elle va te pardonner et on va passer à autre chose. Et tu veux manger la nourriture des gens comme ça? Oh, faites même souvent maman ici avec elle, c'est vous. Ouais, ma, ça va. Tata qui me dit d'accord. Ma,
on va recommencer. La tante va sortir, elle va revenir. On va te courir, on va te tamponner là-bas. Laisse-moi tranquille. Donne-moi les habits de l'enfant, c'est comment? Tu me perds le temps. Donne-moi les habits de l'enfant. Si je n'avais pas fait ce que ne venait même pas écouter. Tu vois pas la nourriture? La nourriture? Non, je pas la nourriture. Tu vois non? Attends, il faut maigrir. Ouais, tu vois non? Quand les grandes personnes parlent, tu fais mon enfant crier. C'est pas quoi avec toi non? C'est comme ça que tu toujours fini la nourriture dans le. Je vais vous mettre dehors. Donne-moi la couche de l'enfant. Donne la couche de l'enfant. Ça va, excuse-moi. Ma, ta petite, vous connaissez quelle honte j'ai eu ce jour-là? La honte de ma vie. Ma, vous connaissez? Mais t'inquiète pas. J'ai eu honte. Maintenant, c'est elle qui a honte dans le village. Elle a honte dans tout le village. Elle dit qu'elle est. Moi, je suis plus au village qu'elle. Elle est toujours ici à Yaoundé avec moi. On va partir. Quand la France va on va partir au village pour la vie, la honte aussi la tête. Demander pardon au village. Ma elle dit qu'elle va aller demander pardon au village. Pardon, accepte alors. Mon don s'excuse au monde. Est-ce qu'on a dit? Ouais, tu dis toujours que je te ressemble avec tout nom. Moi j'ai un cœur à non. Hein. Moi je pardonne, je ne suis pas rendue. Je te ressemble alors avec toi. Hein? Pardonne lui alors. Que je vais faire le régime. Tais-toi, attends, dis donc. C'est quoi, toi? Toi, la radio va faire international. Si tu veux te. Comment les chauffer de l'enfant? Mais j'ai. Tu me promets que tu me recommences. Je ne sais pas comment on peut faire la paix. À cause de l'enfant que j'ai en main, le bébé, sinon. Comment alors? Je ne veux plus faire ça. Jamais, j'en fais. Jure au nom de ta petite fille. J'ai juste le nom de l'enfant de Laetitia qui ne veut plus jamais faire ça. Et l'enfant de qui? Pardon, on a dit que tu es juste le nom de ton enfant et. Mais c'est quoi? Ça va, maman. Je suis ton enfant. J'ai juste le nom de l'enfant là. Elle a juste le nom de ton enfant. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dieu, ce que tu as fait, je suis d'accord. C'est de l'enfant, non? Il n'y a pas la nourriture. C'est quoi ça? Ils ont tout mangé. Ils peuvent même pas garder même un petit truc pour moi.
Copain, tu veux manger toute seule. Est-ce qu'on fait ça? Tiens, pardon, ne mange pas ici. Voilà la salle à manger là-bas. Comment vous pouvez pas vous manger tout négatif, même pas un petit? Mais qu'est-ce que j'ai dit que tu devais faire pour moi là-bas? Est-ce qu'on savait que tu venais alors? Est-ce qu'on savait que tu venais? Pas manger là-bas, non. Pour qu'elle s'est passée ici comme ça? Elle s'est connue. Elle se tient à la chérie, toujours ça, toujours là. Elle peut pas manger tout. Elle est aussi. Elle peut pas se marier. C'est même pas pour m'envoyer en mariage. C'est parce que je suis à l'âge de te marier. Pourquoi avez-vous non? Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu portes autour de ton cou? Un collier, celui que tu m'as offert. Et il coûte combien? 370 000. Justement. C'est ça le plus important. Et occupe-toi de ce qui te regarde. Ha! Oh les yeux, imagine-toi. Ouvre les yeux, imagine-toi. Le soleil, la plage et le sable. Que c'est chaud, c'est doux. Que c'est chaud, c'est doux. Tu serais mieux étant ma femme. Tu serais mieux. Pensez à ce que je t'ai dit la dernière fois. Mais ça ne va pas. Vous osez me faire la cour en plein hôpital alors que mon petit ami est juste allongé là mourant. Vous avez un cœur de pierre. Et c'est avec ce même cœur que vous prétendez l'aimer. Une femme aussi belle que toi peut transformer la pierre la plus dure du monde en fleur. Tout ce que je veux, ce n'est qu'un rendez-vous avec toi. Et tu me dois ça quand même. J'accepte. Hein? 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 J'accepte de t'épouser. Ah mais voilà! Voilà! Viens, viens. C'est à cause d'elle que tu n'as plus mon temps, n'est-ce pas? Je crois que je vais vous laisser. Assieds-toi! Singhi, non! Ne me repousse pas, s'il te plaît! Aujourd'hui, toi, tu es mariée. Désormais, tu m'appartiens plus. Laetitia, tu es mariée. Tu es la femme de quelqu'un. La vérité est juste que je t'aime toujours, Singhi. Tu l'as venu et je ne le supporte pas. Monsieur, votre femme, personne ne la discute avec vous. Tu n'as donc rien compris, jeune homme. Tu dois mourir. My name is Mopao. Mais vous m'avez déjà tout pris. Vous m'avez pris ma femme. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Ta vie. Ma vie? Pourquoi? Tu connais avec exactitude toutes les courbes de ma femme. Vous êtes un gros malade. Pour que tu comprennes mieux mon petit, je dois être le seul sur cette terre à avoir vu ma femme nue. My name is Mopao. Tu es la plus belle femme que connaît ce beau monde. Ma chérie, laisse-moi t'aimer. Te chérir, te chouchouter, ah oui. Tu es la plus belle fleur de mon jardin et le meilleur cadeau que la vie ait jamais offert. Magnifique.
demoiselle a quitté les carabottes pour habiter dans la villa. Elle ne mange que des gambas. Dans la vie, y a pas de hasard. Est-ce que ce n'est pas mieux ça, jeune homme? Est-ce que ce n'est pas bien ça, petit? Ton ex, si ma femme, son homme, c'est moi.